bienvenue chez Boulard Musique. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une question que tout le monde se pose quand il n'a jamais eu de hanpan. C'est quelle est la différence entre en fait un bon et un mauvais hanpan, entre un modèle un petit peu plus, je dirais, début de gamme, et puis vraiment des modèles totalement aboutis. Depuis des années, on cherche avec différents fabricants en Suisse, en Espagne, en Asie, en France, des bons instruments qui sont vraiment bien construits. Faut pas oublier qu'un bon hanpan, c'est vraiment aussi un bon constructeur qui sait taper du métal, qui sait l'accorder, qui sait faire sonner cet instrument de façon parfaite. Et là, j'ai deux modèles différents. Donc ça, c'est un Zaora, donc Zaopan, qui est en fait un instrument qui est fabriqué en Suisse par un petit producteur et qui fait vraiment des choses magnifiques en termes de sensations, qui a vraiment du talent dans ce qu'il fait, dans l'accordage. Et là, ça, c'est un hanpan qu'on a acheté en Chine, qui est vraiment un modèle début de gamme, pas très cher, mais la vraie différence, je vais vous la faire sonner, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de cette différence. Si on prend un instrument totalement abouti, on a vraiment une belle résonance, une note qui est parfaite, un accordage qui est vraiment totalement pur. Et si on prend l'instrument qui est fait, ma foi, de façon beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de talent, on voit très bien qu'il y a plein de résonances, les notes vrillent, ne sont pas totalement clean. Et ça, c'est vraiment la qualité du métal, mais aussi vraiment la qualité de l'accordage et du travail qui est fait. Sur un hanpan, quand on le construit de la bonne manière, on ne fait pas seulement les notes, on fait aussi les entre-notes. Sur des instruments parfaits, on va vraiment avoir du plaisir à jouer pendant longtemps. Il y a la résonance qui est pure, tandis que sur des instruments comme ça, au bout d'un moment, les choses vont briller, vont nous sortir par les oreilles, si on peut dire ça comme ça. Et donc, depuis longtemps, nous, on cherche vraiment des instruments de ce type-là. On travaille avec des fabricants, des petits fabricants, des petites productions pour avoir les meilleurs instruments possibles. Mais au moins, c'est un instrument que vous pouvez garder à long terme, vous serez heureux de le faire. Donc voilà la différence vraiment principale, hein, c'est le son, la construction, le métal. Et comme ça, vous avez pu vous rendre compte de la différence entre un objet abouti et un objet qu'on trouve souvent sur Internet pas cher. On va avoir ce genre de choses-là. Et vous avez meilleur temps peut-être de venir nous voir, vous guider sur les instruments, vous pouvez les essayer, on peut vous montrer comment ça se joue. Donc, soyez les bienvenus chez nous, chez Boulard. On essaie toujours d'avoir un service impeccable, vraiment une bonne écoute de vos besoins. Et on vous attend au magasin. Alors, à tout bientôt. Ciao.